Samson. Je suis le petit héros cosmique. Les amis de Crapouille. Bonjour Crapouille. Tiens, salut Sam Sam. Tu m'excuses, je suis un peu en retard pour l'école là. Au fait, tu sais, d'habitude, personne ne veut jouer avec moi. Eh bien, j'ai rencontré, tiens-toi bien, trois copains avec qui je m'entends incroyable. Je suis très content pour toi, tu sais, mais... Il faut absolument que je te les présente. Tu vas les adorer toi aussi. Écoute Crapouille, là, je n'ai vraiment pas le temps, mais à 4 heures si tu veux. Oui, c'est ça. Viens goûter avec nous. J'y serai. Je suis sûr qu'ils ne vont plus tarder. Tu boiras bien un petit sirop de chauffette. J'en ai du frais. Oh, tu sais, de l'eau toute seule, ça m'irait très bien. Merci. Bon, on ne va pas les attendre pour commencer à goûter. Allons-y. Ah, j'avais une de ces soifs. Tu en veux encore ? C'est moi qui les ai faits. Oui, ils sont fourrés au pourri. Très appétissant. Mais en fait, j'avais déjà un peu goûté avant de venir parce que... Je te conseille le gâteau vert avec des coulures marron. Celui-là, il se mange sans faim. Ah, tout de même. Ouf. Ah, ce sont les mêmes que la dernière fois. Je peux en prendre deux. Désolé, c'est rare qu'on se fasse s'attendre. D'habitude, les gens trouvent qu'on arrive toujours trop tôt. Oh non, les pipiolis. Je vous présente... Bon, ce n'est pas tout. Oh. Ils sont sympas. Hé, hein. Hey, vous autres, si on jouait comme l'autre jour à s'arroser. Je ne veux pas faire pipi. Si. Et moi alors? Nous sommes le pipi, le pipi au lit. Nous t'arrosons pendant la nuit, le pipi au lit. Débarrasser de ses pots de colle. Patouche. Moi, je n'y vais pas, j'ai le vertige. Attendez-moi! Oups, pardon! Ah, oh, trépanouille! Ça sent drôle sur cette planète. Oui, on dirait du chou-fleur. C'est pas un peu trop vert ici? Et toi, tu ne serais pas mieux en rose, bout de banane? Hey, t'as dit chaude, prononcée des hêches! Dieu te conseille. Il n'a pas dit que c'était interdit au pipi ou au lit d'arroser. Mais, Sam-Sam! Au fait, Sam-Sam. Tu as bien pris tes précautions avant de partir? Qui va là? Cham-Cham, le plus petit des grands héros. Et je réclame une audience avec Cham-Majesté, le roi Marshall Ier. J'ai mes chuchotes avec vous. Attendez ici, nous allons prévenir son Altesse. Un roi! On va enfin pouvoir ridiculiser Sam-Sam. On va lui donner envie et il n'aura même pas le temps de se retenir.
Et si vous rechantiez un peu votre si jolie chanson? Oui. Tous à la moque, pas de sel, Sam Sama, soit des orelles. Tous trompés face au roi Marchel, cette espèce de polichinelle. Mais qu'est-ce que c'est que ces hèches? J'ai horreur des hèches. J'ai jamais su les prononcer. Qu'on m'emmène chez trois lâches-cars. Dis donc, ce n'est pas sympa ça, grosse courgette. Cham Cham, je te remercie de m'avoir livré chez ennemis du royaume. Non, Sam Sam. Ils passeront un châle quart d'heure chez un orthophoniste qui leur apprendra la politesse. Ne nous laisse pas là. Et à ne plus prononcer les hèches. Ouf, des vrais coups de colle sur pattes ces pipioli. Bon débarras.